بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة toutes les louanges appartiennent à Allah nous le louons et nous l'implorons. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah. Il est le seul et sans associé. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur ainsi que son messager. Que la paix et le salut soient sur le noble prophète ainsi que sur sa sainte famille et tous ses compagnons. Chers frères en islam, nous lançons le salut fraternel islamique qui est une demande de paix, de miséricorde et de bénédiction, qu'Allah nous recouvre de sa miséricorde et qu'il nous accorde de ses bienfaits, bi'iznillahi ta'ala. Par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons une fois de plus pour continuer avec l'étude du livre « Ad-Durusul Muhimma li'amatil umma » qui est quoi? Les leçons importantes pour toute la communauté. C'est un livre de Cheikh Bambaz, rahimahullah, qui contient des leçons utiles et des leçons importantes pour toute la communauté. Et nous sommes au cours numéro 3, Ad-Darsu Ar-Ra'a'a-Thalith, où nous parlons de quoi? Arkanu al-Iman. Nous parlons des piliers de la foi. Donc nous avons commencé au cours passé, nous avons vu ce que c'est que la foi, la définition, et ensuite nous avons vu les preuves concernant ces piliers qui sont au nombre de 6, et nous avons étudié les deux piliers qui sont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la foi aux anges. Aujourd'hui, inshallah, nous allons voir aussi deux piliers qui sont la foi ou la croyance en ces livres, al-iman bil kutub ou al-iman bil rusul bi'iznillahi ta'ala. Parce que comme c'est venu dans le hadith où le prophète a été questionné, c'est-à-dire l'ange Gibril a questionné le prophète alayhi salatu wasalam, akhbirni anil iman. Informe-moi ce que c'est que la foi. Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit que quoi? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa liyawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc ceci, ce sont les piliers de la foi. Quand on dit la foi, c'est le fait de croire en Allah, croire en ses anges, croire aux livres révélés, c'est le fait de croire en ses messagers, croire au jour dernier et croire aussi au Thalith, le troisième pilier parmi les piliers de la foi. Et ça c'est quoi? La croyance en ces livres. Al-Imanu bil-Kutub. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-Imanu bil-Kutubi al-Munazzala. C'est le fait de croire aux livres révélés. Fatu'minu bi-Annallah. Donc chaque musulman doit croire que quoi? Annallah anzala kutuban. Qu'Allah a fait descendre des livres. Ala rusulihi, sur ses messagers. Et ces livres, wahiyya min kalamihi, ce sont des livres qui contiennent les paroles d'Allah, wa wahyihi, ainsi que sa révélation. Wa fiha, il y a dans ces livres, shar'uhu, sa législation, wa amruhu, ses ordres, wa nahyuhu, et ses interdictions. Ça veut dire que ces livres révélés contiennent les ordres d'Allah ainsi que ses interdictions. C'est à travers ces livres que le serviteur peut savoir ce que Allah aime et ce que Allah a ordonné. Et à travers ces livres également, le serviteur peut savoir ce que Allah n'aime pas comme action ou parole et ce qu'il a interdit de ne pas faire. Naam. Taïb. Anzalaha ala rusulihi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ces livres sur ses prophètes. Les ajili bayanil haqqi. Pour faire quoi? Pour montrer la vérité, pour éclaircir les serviteurs concernant la vérité, wa nahyi anil batil, et pour les interdire de faire quoi? D'œuvrer avec le faux ou encore d'être dans le faux. Est-ce que vous voyez?
ولأجل هداية الناس. Et c'est à travers ces livres que les serviteurs auront la les guidances vers le droit chemin. وهي كتب كثيرة. Et ces livres, ils sont nombreux. لا يعلمها إلا الله. Personne ne connaît le nombre ou encore tous ces livres si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. والذي سمى الله منها. Et parmi ces livres, qu'Allah nous a indiqué leur nom, on a quoi? At-Tawrat. On a la Torah, qui est le livre qui a été révélé à qui? Au prophète Moussa alayhi salam. Wa-Zabur, qui est le livre révélé au prophète Daoud alayhi salam. Wal-Injil, l'évangile, qui a été révélé à qui? Au prophète Isa alayhi salam. Wal-Qur'an, et aussi le Coran, et qui a été révélé à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وصحف إبراهيم وموسى ainsi que les feuilles d'Ibrahim et les feuilles de Moussa. طيب فنؤمن بالكتب, donc nous croyons en tous ces livres. ما سمى الله منها, les livres dont Allah nous a indiqué leur nom dont nous connaissons. وما لم يسمي, et les livres dont nous connaissons pas leur nom. Nous croyons fermement qu'Allah a révélé des livres sur ses prophètes et pour que ces livres soient une miséricorde et une guidance pour ses serviteurs. وَأَعْظَمُهَا, et sachez que parmi tous ces livres, le plus grand, le plus noble, c'est lequel? الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ, c'est le noble Coran. طيب, donc ça c'est la croyance au livre, ce que ça veut dire. طيب, donc en résumé, premièrement d'abord, si on se posait la question, pour quelle sagesse Allah a-t-il fait descendre des livres? Pourquoi il a fait descendre les livres? Donc, c'est pourquoi hidayatan wa rahmatan lil khalq. C'est en fait en tant que miséricorde et une orientation pour les gens. Si Allah a fait descendre ses livres, c'est par miséricorde, pour que les serviteurs arrivent à connaître ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il a parlé à travers ses livres, pour que les serviteurs même sachent ce que leur Seigneur attend d'eux. Donc ça c'est une miséricorde, et une orientation et une guidance vers le droit chemin. Et ensuite, ces livres aussi c'est quoi? Ta'yidan li rusul wa izharan li sidqihim. Ces livres c'est pour appuyer et renforcer les messagers pour prouver leur véracité. Ces messagers ils sont venus envers leur peuple en leur disant que nous avons été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est votre preuve? Et qu'est-ce qu'Allah aime? Qu'est-ce qu'Allah n'aime pas? Donc ces livres, c'est juste pour appuyer et renforcer la véracité de ces prophètes, bi'iznillah ta'ala. Et enfin, parmi les sagesses encore, et parmi les sagesses qu'Allah a fait descendre ces livres, c'est que c'est quoi? Ces livres, c'est al-hukmu bayna nasi hina al-ikhtilaf. C'est pour juger avec justice et équité entre les gens lors de leur discorde. Parce qu'à travers ces livres, on arrive à juger avec équité. Parce que quand il y a discorde, on se dit, bon, si c'est comme ça, on va voir dans le livre d'Allah, qu'est-ce qu'Allah a dit? Quel est le jugement par rapport à cette action ou par rapport à cette parole, selon la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont les sagesses pour lesquelles Allah a fait descendre ces livres. Donc, la croyance d'Allahi haqqa. Tout le fait qu'ils ont été véritablement révélés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Tout musulman doit croire que ces livres, ce sont des livres qui ont été véritablement révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui, et c'est sa parole en fait. يعني فالله موصوف بالكلام ويتكلم بما شاء إذا شاء. Donc Allah, le créateur, c'est lui qui a parlé. Et c'est un créateur qui parle aux serviteurs et qui dit ce qu'il veut et qui montre ce qu'il aime parmi les actions et ce qu'il n'aime pas parmi les actions aussi. Donc, ces livres révélés, ça contient les paroles d'Allah. Ce ne sont pas les paroles des anges, ni les paroles des prophètes eux-mêmes, quoi. Donc, ce sont des paroles d'Allah. Donc, tout le monde doit croire en cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, croire aux livres dont le nom nous a été indiqué, comme nous venons de le dire, comme par exemple le Coran qui fut révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a la Torah qui fut révélée à Moussa alayhi salam. On a l'évangile qui fut révélé à Isa alayhi salam et à Zabur qui fut donné à Daoud alayhi salam. Et quant au livre aussi dont le nom nous est inconnu, nous devons y croire aussi en ces livres d'une manière générale en fait. Donc ça c'est le deuxième point. Et ensuite, troisième point, tasdiqu ma saha
min akhbariha ka akhbari al-Qur'an. Donc nous devons considérer comme véridiques les informations qui s'y trouvent, les informations qui s'y trouvent dans ces livres, comme celles du Coran ou celles de des autres livres, si elles n'ont pas été, ces informations n'ont pas été falsifiées ou encore ces informations n'ont pas été modifiées en fait. Voilà, donc nous devons croire en ces informations. Et enfin, c'est appliquer les lois non abrogées qui s'y trouvent. En fait, nous devons appliquer les lois qui s'y trouvent dans ces livres s'ils n'ont pas été abrogés. Et nous devons savoir que tous les livres précédents sont abrogés par le Coran. En fait, c'est le Coran qui est, c'est comme si c'est le Coran maintenant qui est au-dessus de ces livres et que c'est avec le Coran que nous devons travailler et c'est le jugement du Coran maintenant que nous devons utiliser. Voilà, parce que Allah dit dans le Coran, wa anzalna ilayka al-kitab bil haqqi. Et sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Naam, musaddiqan lima bayna yadayhi. Et c'est pour confirmer les livres qui étaient là avant. Le Coran est venu pour confirmer ces livres qui étaient là bien avant. Wa muhaiminan alayhi. Et c'est pour le faire prévaloir sur eux. En fait, c'est un livre qui est au-dessus des autres livres. Donc, nous devons œuvrer avec le Coran parce que c'est le livre qui est venu abroger toutes les lois qui sont dans les autres livres là. Donc, s'il y a un jugement que les créatures doivent appliquer, ce sont les jugements qui sont conformes aux lois du Coran. Est-ce que vous voyez? Et par contre, ces livres révélés tels que le Al-Injil ou encore Al-Zabur ou encore Al-Tawrat, ces livres-là, ce sont des livres qui ont subi des altérations ou encore des modifications, des falsifications, puisque les adorateurs qui sont les savants, eux aussi, ils ont falsifié les informations, ils ont ajouté ce qui est des versets ou encore ils ont retranché certains éléments. Donc, ce sont des livres qu'on ne peut pas s'appuyer de nos jours pour adorer Allah avec. Donc, le livre à travers lequel les serviteurs doivent utiliser pour adorer Allah, c'est quel livre? C'est le Coran. Parce que c'est un livre qui n'a pas subi d'altération ni de falsification. Parce que Allah l'a préservé de toute modification. Donc, c'est ce dernier livre que les gens doivent utiliser pour avoir la satisfaction d'Allah et œuvrer avec les lois qui s'y trouvent. Non. Donc c'est le Coran qui est le livre maintenant que tous les serviteurs doivent appliquer. Et c'est le dernier aussi livre qui a été révélé au dernier aussi des prophètes. Parce que c'est pour toute l'humanité en fait. Donc voilà ce qui était pour la croyance au livre. Et ensuite, le quatrième pilier c'est quoi? Ar-ruknu rabi. Al-imanu bir-rusul. C'est le fait de croire au messager. Taïb. Et ça aussi ça veut dire quoi? Naam. Fatu'minu bir-rusulillah. Le musulman doit croire au messager d'Allah. Min awwalihim ila akhirihim. Du premier parmi eux jusqu'au dernier. Donc le musulman doit croire à tous ses prophètes. Man samallahu, celui qu'Allah a nous a indiqué son nom. Wa man lam yusammi minhum. Et celui dont Allah ne nous a pas indiqué ou informé sur son nom, nous devons croire en eux tous. Nous minu bihim jami'an. Donc nous devons croire. Celui qui mécroit à un prophète ou qui refuse d'admettre que c'est un prophète d'Allah, c'est comme s'il a refusé, c'est comme s'il a mécru envers tous ses prophètes. Est-ce que vous voyez? Celui qui ne croit pas à un prophète parmi les prophètes d'Allah, c'est comme s'il a mécru à tous les prophètes. Naam. Wa yakunu kafira. Et il devient mécréant à travers cela. Taïb. Wa law amana bi ba'dihim. Si le serviteur croit à un, ça veut dire à un groupe de messagers, wa kafara bi ba'dihim, et ne croit pas à un autre groupe de messagers, yakunu kafira, il deviendra en ce moment un mécréant. Taïb. Falladhi yu'minu bihim, celui qui croit à tous les prophètes, wa yakfuru bi Isa, et ne croit pas au prophète Isa alayhi salam, wa Muhammadin, et ne croit pas au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et celui qui dit non, les autres sont des prophètes d'Allah, les autres sont des messagers, Moïse et les autres, Abraham, Nuh, ainsi de suite. Et quant au prophète Moussa, quant au prophète Isa ou encore le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ce ne sont pas des prophètes. Et comme Kalyahoud, comme les juifs l'ont fait, Fahoua Kafirun, cette personne, c'est quelqu'un qui est un mécréant. Parce que c'est comme s'il ne croit pas en tous les prophètes en fait. Naam, wa kadhalika wa man yu'minu bihim, celui qui croit aussi à tous les prophètes. Wa yunkir risalat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il ne croit pas au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, il dirait que Moïse est un messager.
Isa, c'est un messager. Mais quand c'est Mohammed, il dit que non, que ce n'est pas un messager de la part d'Allah. En ce moment, Naam, quand Nasara, comme les chrétiens, fahuwa kafirun bil jami'i, c'est comme s'il a mécri envers tous les prophètes d'Allah. فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِيمَانَ مِنْ بَعْدِ وَالْكُفْرُ بِالْبَعْدِ الْآخَرِ. Donc Allah n'accepte pas que le serviteur croit à certains de ses messagers et ne croit pas à d'autres parmi ses messagers. Non, Allah n'accepte pas cette croyance en fait. Et Allah dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. Sachez que ceux-là qui ne croient pas en Allah, وَرُسُلِهِ, ceux-là qui ne croient pas au prophète d'Allah, وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. Et ce sont des gens qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers. نعم, وَيَقُولُونَ, en disant, نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ, nous croyons à certains de ses messagers, وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ, et nous ne croyons pas à certains de ses messagers. Donc ceux-là, وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance. Nous croyons en cela et nous ne croyons pas en cela. Ces gens-là, Allah dit, Naam, ulaika humul kafiruna haqqa. C'est ceux-là les vrais mécréants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est obligatoire. Nous devons croire à tous les prophètes d'Allah. Naam. Du premier jusqu'au dernier. Wa awwalul mursalin. Et le premier parmi les messagers, c'est qui? Nuhun alayhi salatu wassalam. C'est le messager Nuh alayhi salam. Wa ammal anbiya. Mais quant aux prophètes, fa Adamu nabiyun, c'est Adam qui est le premier prophète, parce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager, parce que tous les messagers sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers, parce que le messager, lui, il a un degré élevé, un plus haut degré que le prophète. Donc tous les messagers sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. Fama salan, Muhammad, Isa, Moussa ou Ibrahim, ce sont des messagers. Donc ils sont des prophètes en fait. Mais les autres prophètes tels que Yaakoub, Ismaïl, Ishaq, Youssouf, ce sont des prophètes, mais ils ne sont pas des messagers. Naam. Izan, Fabayna Adam wa Nuh, donc entre le prophète Adam et le messager Nuh, alayhi salam, Anbiya'un, il y a des prophètes. Lakin awwal rasul, le premier messager Nuhun alayhi salam, c'est le prophète, le messager Nuh. Arsalahu Allah, Allah l'a envoyé ila qawmihi, envers son peuple, lama abadu as-salihin, au moment où ils ont pris leur pieux parmi eux pour en faire des divinités et les adorer en dehors d'Allah. Taib, wa akhiruhum, mais le dernier des prophètes c'est qui? Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le dernier des prophètes. Parce que Allah dit dans le Coran, Inna awhayna ilayka. Nous avons envoyé une révélation envers toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama awhayna ila Nuhin. Comme nous avons envoyé aussi une révélation au messager Nuhin. Wa nabiyina. Ainsi qu'au prophète, min ba'dihi, après Nuh. Donc ça montre que la révélation qu'on t'a faite a été bel et bien aussi révélée à Nuh, qui est le premier des messagers, et Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le dernier des messagers. Donc il n'y a plus de messagers ou encore de prophètes. Naam. Kullihim imanun mujmalun. Nous devons avoir une foi générale, c'est-à-dire nous devons croire en eux d'une manière générale. C'est-à-dire nous croyons que ce sont des messagers d'Allah venus de la part d'Allah pour appeler leur peuple envers la voie d'Allah. Donc nous devons croire en cela. Wal imanu bi Muhammadin. Tandis que la croyance envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, imanun mufassalun, c'est une croyance qui est spécifique et détaillée en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est notre prophète. Li annahu huwa nabiyuna, c'est notre prophète. Wa rasuluna, c'est notre messager. Fa nu'minu bima ja'a bihi ala tafsil. Donc nous croyons envers ce qu'il est venu avec d'une manière spécifique, d'une manière détaillée. Donc nous devons croire en son message et le suivre et le prendre comme un exemple. Est-ce que vous voyez? Donc nous qui sommes ici, notre attitude par rapport aux autres prophètes, c'est de croire qu'ils sont des prophètes d'Allah et qu'ils sont des pieux et des gens aussi qu'Allah a envoyés. Donc nous croyons en cela. Par contre, si c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, non seulement nous devons croire en son message et nous devons le prendre comme exemple et nous devons le prendre aussi comme un guide, et c'est lui à travers ses paroles que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est concernant la croyance au messager. Donc
On peut résumer aussi que la croyance au messager, elle comporte aussi quatre éléments. Le premier, c'est quoi? Croire que leur message provient véritablement d'Allah. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, c'est croire en particulier au prophète dont le nom nous est connu. Voilà, comme Mohammed, alayhi salat salam. Nous savons tous qu'il y a un prophète qu'on appelle Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, ou Nuh, dont nous croyons en tous ces prophètes. Quant aux prophètes aussi dont nous ne connaissons pas le nom, on se doit de croire en eux de manière générale. Voilà, il y a des prophètes dont nous ne connaissons pas leur nom. Nous ne connaissons même pas leur histoire. Parce que Allah l'a dit dans le Coran. C'est pas tous les prophètes dont leur histoire ont été racontées dans le Coran. Allah dit, Waru Solan. Et sachez aussi qu'il y a des messagers, Nam, Kad Kasasnahum Aleika. Des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire, min qabl, précédemment. Voilà, Allah dit dans le Coran, Waru Solan, sache qu'il y a des messagers, Kad Kasasnahum Aleika min qabl, dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. On t'a raconté l'histoire de Moïse, on t'a raconté l'histoire de Isa, on t'a raconté l'histoire de Nuh, on t'a raconté l'histoire de Ibrahim. Donc ce sont des messagers dont Allah nous a raconté leur histoire dans le Coran. Et Allah dit, Naam, Waru Solan, sache qu'il y a des messagers aussi, Lam Nakasushum Aleika, des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des messagers dont Allah nous a pas raconté leur histoire dans le Coran. Donc mais nous devons croire que ces messagers existent parce que Allah dit dans le Coran wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager et qui va faire quoi? Qui va leur demander d'adorer Allah, an'ibudullah wa jitanibut taghut, et s'en écarter des divinités autres qu'Allah. Donc nous devons croire que dans chaque communauté Allah a envoyé un messager. Ceux dont nous connaissons, nous croyons en eux, et ceux dont nous ne connaissons pas, nous devons croire aussi à ces messagers qu'Allah a envoyés vers leur communauté. Et Allah termine le verset en disant wa kallama Allahu Musa taklima, et sachez que Allah a véritablement parlé au prophète Musa alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect c'est quoi? Croire aux récits authentiques qui nous sont parvenus à leur sujet. Donc nous devons croire à leur récit si toutefois c'est confirmé et authentique. Et quatrièmement aussi, c'est quoi? C'est mettre en pratique la législation de ceux qui nous ont été envoyés parmi eux, à savoir le sceau des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons mettre en pratique la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, parce que c'est le prophète envoyé à toute l'humanité. Allah dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, et nous t'avons envoyé à toute l'humanité, Naam, Bashiran, en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles, Naam, envers ceux qui ont cru, Wanaziran, et avertisseur envers les mécréants. Walakina aktharana sila ya'alamoun, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc Allah dit clairement dans ce verset que quoi? Wama arsalnaka illa kafatan linnas, nous ne t'avons envoyé à toute l'humanité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc le prophète alayhi salam, il a été envoyé à toute l'humanité, que ce soit les arabes, les non-arabes, les blancs et les noirs. Le prophète alayhi salam, il a été envoyé à toute l'humanité. Donc nous devons œuvrer et mettre en pratique la législation et ainsi que ce qui nous a montré. Voir ces deux piliers qui est quoi? La croyance au livre révélé, al-iman bil kutub, ainsi que quoi? La croyance au messager qui est quoi? Al-iman bi bir-rusul. Donc il nous reste deux piliers que nous allons voir inshallah dans la suite, qui sont quoi? Al-iman bil yawm al-akhir wa al-iman bi al-qadar. Donc le troisième pilier c'est quoi? Al-iman bil yawm al-akhir. Naam, ar-ruknu al-khamis. Le cinquième afwan, c'est quoi? C'est le fait de croire au jour dernier. Al-iman bil yawm al-akhir, le fait de croire au jour dernier, wa huwa yawm al-qiyamah. Et c'est le jour aussi de la résurrection. Yusamma yawm al-akhir, on l'appelle le jour de la résurrection, li'annahu ba'da dunya, parce que c'est le jour qui vient après cette vie là, c'est après cette vie ad-dunya. Wa yusamma yawm al-qiyamah, on l'appelle aussi le jour yawm al-qiyamah li'qiyami an-nasi fihi min quburihim, parce que les gens vont se lever ce jour là de leur tombe, na'am, li rabbil alamin, en direction de leur seigneur, le seigneur de toute l'humanité. Naam. Wa yusamma yawm al-ba'th, on l'appelle aussi le jour de la résurrection, li anna an-nasa yub'athuna fihi, parce que les gens seront ressuscités ce jour-là, naam, min quburihim, de leur tombe, et faire quoi? Et seront rassemblés vers leur seigneur pour le jugement.
Donc, falahu asma'un kathira. Donc, le jour dernier, il a beaucoup de noms. Mais quand on dit al-iman bil yawm al-akhir, le fait de croire au jour dernier, huwa at-tasdiqu bi husulihi wa wuqu'ihi. C'est le fait d'avoir la ferme conviction que c'est un jour qui arrivera et c'est un jour qui aura réellement lieu. C'est ça, al-iman bil yawm al-akhir. Na'am, thumma al-isti'dad. Après cela, l'homme doit prendre des dispositions. Il doit se préparer pour ce jour. Parce que, fala yakfi an tusaddiqa bihi. Donc, ce n'est pas suffisant de dire non, moi je crois au jour dernier, moi je crois au jour de la résurrection, mais qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour de la résurrection-là? Là, ça aussi, c'est un élément qui est très très important. Donc, la bouddha min al-isti'dad lahu. Donc, c'est obligatoire que le serviteur se prépare à rencontrer ce jour-là. Et comment on se prépare pour affronter ce jour qui est le jour de la résurrection? Naam, c'est à travers al-a'malu as-saliha, de bonnes œuvres, wa tawbati min al-a'mali sayyi'a, c'est de se repentir d'une mauvaise action, wal ikthari min al-hasanat, c'est le fait de faire beaucoup de bonnes actions. Izan fa anta tas'id li hadha al-yawm. En ce moment, toi tu es quelqu'un qui se prépare pour ce jour-là. Naam, li annahu yawmun la rayba fi. C'est un jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc ça c'est al-iman bil yawm al-akhir. Fa inshaAllah, nous allons revenir sur ce pilier qui est très important, le cinquième pilier qui est la croyance au jour dernier, et nous allons voir aussi par la suite le dernier pilier, ar-ruknu as-sadis, qui est quoi? Al-imanu bi al-qadar. Et ça sera dans la prochaine émission bi iznillahi ta'ala. Izan, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce rappel soit profitable pour nous tous inshaAllah. Et nous lui demandons aussi de nous accorder une science utile et profitable et qui nous efface nos péchés. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.